de passe qu'on n'a pas faite une seule fois ni sur YouTube ni sur Twitch en randomizer. Comme ça, au moins, une pierre deux coups. Voilà. Et on verra d'ici là comment ça fonctionnera de mon côté pour Zelda A Link to the Past. Pour l'instant, c'est pas au programme. Ok, tout est activé de mon côté. Bon, il y a juste Steam que j'ai fermé. Attendez, hop, juste fermer Steam parce que ça consomme peut-être un peu trop. Voilà, pour fermer Minecraft aussi. Parfait. Appuyez sur un bouton. Ça y est, on est de retour. On est de retour. Est-ce que le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix? Je pense pas. Je pense pas. Hop. Manette Wii U Pro. Oui, bien sûr. Mercantile, on est de retour. Ça y est, c'est le retour sur Zelda Wind Waker. Oh, ça fait plaisir. Ok, donc on part 2 heures sur Zelda à peu près. Et on ira après sur du. Soit sur du Hearthstone, soit sur Omega Striker. On fera peut-être un peu de l'un, un peu de l'autre, je ne sais pas. On verra d'ici là. Ok. Ah, nous revoici à Mercantile. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ici? On avait fait les enchères, je crois qu'on avait fini avec les enchères. Et c'est tout. C'est tout. Alors il y avait aussi une quête à faire ici, une mini quête secondaire. Mais pour l'instant, mon objectif actuel. Alors déjà, c'est de regarder si j'ai assez de graines pour les... Tiens ! Est-ce que j'ai assez de graines pour eux, là ? Attendez, comment je fais déjà pour voir les graines dans le sac ? Comme ça. Oui, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai 13. Combien de parcelles de cartes je n'ai pas encore débloquées ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'en ai assez pour la fin de l'aventure. Ici. Ici. On va aller au nord de la map. On va aller voir c'est quoi la petite parcelle que je n'ai pas découverte ici. Je vais voir, j'espère que je vais trouver ce check là-bas. On y va. On y va. Hop. Ok. Alors attendez, là je suis... je vais aller au nord. Donc là c'est... Hop. On va aller au nord. Ah mais non, pas besoin de faire la maladie du vent. Bon oui, si, c'est intéressant, ouais. Je sais plus il est où le nord. Ok. C'est par là. Ok, j'étais pas du tout dans le bon sens. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai la super voile. Donc j'ai pas besoin de, du vent en fait. Je m'en tape du vent. Donc j'ai la super voile, j'ai juste allé là-bas. Et essayer de trouver ce check pour dévoiler l'île. Donc là, premier objectif, dévoiler toutes les îles. Deuxième objectif, je pense qu'on ira chercher... on a tous les... Ah mince. Oui, on les a tous, hein, je crois. Les objets pour entrer dans les donjons, je crois que je les ai tous récupérés. Mais là, je crois qu'il faut que je récupère mes dolis. Oui. Faut que je récupère Medoli, on n'a pas récupéré Medoli ici. Ah non, c'est pas Medoli, c'est le Korogu qu'on a récupéré aussi. Alors Monsieur Check, il est là, on l'a vu. Ok. Oh. Oh. Kraken dans les parages. Il y a un Kraken dans les parages, ok. Attends, parce que là... Là, il y a un Kraken, non seulement il y a un Kraken dans les parages, mais en plus du Kraken... j'ai pas du tout le bon inventaire là, attendez, ça va pas du tout. Ça c'est R. Hop. Hop. C'est bon, Monsieur Check, il est là. Première parcelle de map dévoilée. Pourquoi il y a d'ailleurs un logo ici, je me rappelle plus. Check. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler sur cette petite map? Attendez, je l'ai débloqué. Attendez, il va te dire un truc intéressant là. Parfait, tu vas me rendre service, tu sais, j'ai mal partout ces temps-ci. Je te donnerai 10 flèches, tu devras les utiliser pour me toucher quand je bondirai hors de l'eau. Je sortirai où je veux, je te donnerai 10 rubis pour chaque fois où tu m'auras touché, et 200 rubis si tu me retouches 10 fois. Ok. Ok. Oh, c'est unique ça. Ok. Ça va être marrant. Il est où? Ok, d'accord. Il faut que je touche 10 fois. Et demain. Ah, dommage, j'ai loupé ma première flèche. Un peu dommage. Hein. Ok, il faut que je tire un tout petit peu avant. Ok. Ok. Et de 2. J'aurais pas les 200 rubis, dommage. Et de 3. Ok, je me concentre un petit peu pour essayer de l'avoir. Il va apparaître où? Ah, bien vu, il est très fort. Ok, attends, il va recommencer, j'ai envie de faire les 10 sur 10. Et on peut le faire en vrai, c'est pas dur, hein. Faut juste se concentrer un petit peu. Il manque 4 flèches. Attends, je reviens. Je veux retenter. Ah, non. Attendez, je vais faire un petit demi-tour, je retente. Je voudrais vraiment qu'il me...
réussir son mini-jeu là, il est intéressant. Hop, on retente une dernière fois. Je sais pas si on gagne un quart de cœur en faisant ça ou zéro, je ne sais pas trop. Je sais pas s'il nous offre un truc à la fin. Ok, check, etc. Voilà, c'est le moucheron, toujours la même gibelotte, voilà. Marchant, un certain armure magique, je sais pas combien c'est, bidule. Celui qui te la donne, tu devrais aller le flatter un peu. Une armure? De quoi il parle? Donne une armure, le marchand de mercantile? Je suis pas sûr, hein. Pas s'il nous sort du mytho ou pas, là. En fait, il y a une autre méthode, c'est ça, celle-là. Ah, mais ouais, c'est bon, c'est perdu. J'aurais pas les 10 coups. On va pouvoir commencer. Ok, attendez, est-ce que ça a dévoilé la map ici en fait? Parce que là c'est bien, on s'amuse, mais. Attendez, je vais juste regarder si la map a été dévoilée maintenant qu'on l'a rencontré lui. Ah, c'est à côté. C'est à côté. Ah, attendez, c'est à côté où? Par là. Ok, c'est par là. Faut que je trouve Monsieur Check, mais qui vit là-bas, ok. Alors, objet. On va reprendre les graines. J'en ai déjà perdu 3, ça commence très très bien. J'ai gaspillé 3 graines pour rien. Alors. Où est Monsieur Check? Oh, le temps il change. Il y a un kraken dans les parages, je l'ai jamais vu, hein. C'est un truc de fou, hein. Bon, on va essayer de le chercher après. On va aller voir Monsieur Check et après on va aller chercher le kraken. Alors attendez, hop. Ok, ça c'est fait. Ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est résolu. Ok, donc là, la fois, Monsieur Check. C'est les moucherons, voilà la carte. Il va me dévoiler que c'est l'île l'île de la Terre ou l'île du Vent. Vous allez voir, c'est un truc comme ça. C'est soit l'île de la Terre ou l'île du Vent. Allez, c'est l'île du Vent, c'est obligé. Ok, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette île? Bonne question. Tu veux rentrer dans la grotte? Cette île protégée par un vent a écorné les bœufs. Hé, j'ai un bon tuyau pour toi. Prends le cap suivant. 5 au sud et 1 à l'est d'ici, tu atteindras l'île gelée. Oui, mais je l'ai déjà fait, ça. Tu me racontes du blabla pour rien. J'ai déjà fait. Est-ce que j'ai récupéré le champ en question? Ça, c'est dans... Carte? Non, c'est où? C'est pas du tout là. Hein. Ah, c'est là, à droite. Est-ce que j'ai tous les champs? Hein, on voit pas les champs qu'on a appris? Sauvegarder. Je sais plus comment on voit les champs qu'on a appris déjà dans le jeu, attendez. C'est pas par là dans objet. Hop. Les champs, les champs, les champs. Comment on voit les champs qu'on a appris? Je me rappelle plus du tout. Il doit y avoir un petit stratagème, une petite méthode là pour les champs. Tac, tac, baguette du vent. Non, c'est pas là. Carte, bouteille, option. Non, mais ça fonctionne pas. C'est un peu dommage d'ailleurs. Quand je fais ma baguette, est-ce que. Attendez, c'est. Hop! Je retourne dans la grotte vite fait pour aller voir le champ. Comme ça, c'est fait, c'est fait. Je sais que le Kraken il se balade. Hein. Là, il fait pas beau et tout en plus. Bon, en tout cas, le Kraken il était plus là en fait. C'est moi qui est en train de rêver. Donc, apparemment, ici il y a un autre truc à faire évidemment. Mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui ou peut-être pas encore en tout cas. Haut, bas, droite, gauche, droite. Oh. On va le refaire. On va le refaire. Voilà, ok. Est-ce que c'est bon ou alors il faut que je revienne avec un autre personnage en question? Personne ne peut jouer cette musique ici. Ok. Donc c'est pas encore maintenant. Donc il faut bien que j'aille chercher le personnage en question. Qui est, je ne sais pas où. Ça va être une autre question à aller le retrouver quelque part dans le jeu. Bon, pour l'instant, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Ce que je vais faire, c'est carte. Ici. On va aller à deux là-bas. On va évidemment chercher le tchèque qui vit là-bas. Et ensuite, on va aller au sud de la map. Ou alors, peut-être qu'on fera le petit jeu avec les flèches. Je ne sais pas encore. Il y a des mini-jeux qu'on n'a pas fait encore, hein, d'ailleurs, hein, sur les îles en question, où il faut les faire. Il y a des triforces à récupérer. Il y a une mission principale à faire. Il y a la fin du jeu à faire. Il y a les quêtes secondaires. Donc, il y a beaucoup de trucs. Encore 5 gros trucs à faire, entre guillemets. Et il y a une autre chose que je vais aller faire aujourd'hui aussi d'ailleurs. Tiens, tant qu'on y est, qu'on est sur le secondaire, il y a un truc que je voudrais faire, mais que je vais pas faire de suite. Alors pour l'instant, je ne recherche pas les quarts de cœur, donc ça je m'en fous un petit peu.
Si je vais là-bas. Si j'allais là-bas. Et là, c'est quoi là? On a déjà été là d'ailleurs ou pas? Attendez, hop, la carte. Je sais pas si on allait fouiller ce sous-marin. On va aller le fouiller au cas où. On va aller le fouiller au cas où. C'est quoi? Assez risque et péril. Le Don Alex décida d'entrer dans un navire pirate, un sous-marin pirate peut-être, qui ne reviendra jamais vivant, mais il prend le risque. Parce que le coffre au bout a été ouvert. Tiens, tiens, tiens. Le Don Alex a un petit doute sur le fait qu'il ait déjà fait cet endroit. Voilà. Ah, attendez, hop. Une bombe seulement lui? Le Mokubi me donne qu'une bombe. C'est une dinguerie. Attendez, attends qu'il me frappe. Hop. Voilà, allez. Ok, j'ai perdu un cœur bêtement. Ils sont tous morts. Non, pas lui. Il est mort. Ok, je les ai tous eus. On va casser la sphère pour récupérer les colis macabres. Ok, hop. Y a pas l'air d'avoir d'autres ennemis, hein, donc c'est un petit peu étrange. Mais je crois que maintenant je peux refaire aussi le truc de là-haut. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va refaire le truc. J'espère qu'on aura une récompense au bout. J'ai pas fait ça pour rien. Je me rappelle plus si je l'avais déjà fait là. Mais je crois que non, je l'ai pas fait. Parce que ça me rappelle évidemment le truc de Nico et tout. Mais le truc de Nico, on l'avait déjà fait. Donc ça, c'est pas le même truc. Ok. Attendez, hop. Hop. J'arrive pas à l'attraper, c'est une dinguerie. Une grosse dinguerie, j'arrive pas à l'attraper. Alors que c'est facile comme tout pourtant. Attention. Parfait. Tourne à gauche. Voilà là-bas. Tranquillou. Saute frère. Voilà. Il est là. Il est là. Si si. Descends un petit peu. Voilà. Tourne-toi un petit peu. Voilà. Comme ça, tu auras plus de longueur. En termes de glissade. Hop. Enfin non, de balançoire. De glissade, pas du tout. Non, je me suis loupé. Ah, c'est bête. Hein. Ah, c'est bête. Ça, c'est une phase vraiment, vraiment facile dans les jeux vidéo et que moi, j'arrive plus à le faire en. Alors que j'approche petit à petit de mes 30 ans. Hop! Allez, descends un petit peu. Link, voilà. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il faut y croire. Il faut y croire de taré. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, les amis. Faut pas se laisser avoir bêtement par le fait que vous n'arrivez pas du premier, deuxième, troisième, quatrième coup. En fait, à bout d'un moment, vous allez y arriver forcément. Il faut juste y croire et espérer. Voilà. Et il y avait un coffre. Ouais. Let's go! On l'a jamais fait ce coffre. On l'a jamais récupéré. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Une carte. De toute façon, on voit le truc arriver. Ça va être une carte. Et c'est une carte au trésor, évidemment, ça changeait pas de d'habitude. Ok, on s'en va d'ici. Alors je rappelle que je suis en live jusqu'à 20h. Voilà, tranquillement. On va jouer à Zelda tranquillement jusqu'à 20h, tout simplement. Ok. Ok. Donc là, on a fait un truc secondaire en plus. Ça fait plaisir, avec une carte. Tac, tac. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Parfait. Non, mais qu'on voit Monsieur Check, on lui donne forcément ce qu'il veut. Je sais pas c'est où la prochaine île là. Ah, et là il y a une île. Donc là, Monsieur Check doit être dans les parages logiquement. Il est là-bas, on l'a vu. Ok, on va aller faire cette île d'ailleurs, on va la fouiller entièrement. Et avant, on va aller voir Monsieur Check. Pour lui donner. Hop, voilà. Rien à foutre de la bombe, elle ne m'explose pas pendant une cinématique. Donc je le. Je l'esquive, je l'esquive, je l'esquive, j'ai même plus parlé. Ok, je sais pas ce qu'il y a sur cette carte, dis-moi, machin, let's go. Ok, merci monsieur Check. L'île étoilée, ok, on va aller faire un tour juste après. Qu'est-ce qu'il y a de beau à nous raconter? Des tiragots. J'ai entendu dire qu'il existait des flèches de glace. Oui, bon, allez, vas-y. C'est vraiment des infos maternelles, quoi. Merci quand même, merci quand même. Attendez, non, je vais me rapprocher de l'île quand même, parce que après qu'on va sortir de l'île, ça va être une galère. Hop.
On se met près de la côte. Par contre, il y a alors, beaucoup de TNT dans le coin. Il y a l'air d'avoir énormément de TNT. Alors, les bombes, j'en ai. Hop. Une bombe ici. Alors que là-bas, il y a un Korogu qui est en train de faire pousser quelque chose. Sans mon Korogu! Ok, il y a des petits diables. C'est une question, on n'est pas bienvenu ici d'ailleurs. Ça me dit quelque chose, hein, les Korogu ici et tout là. Non. Cache la touche pour se poser les bombes. Ah, ok, c'est cette touche là. Arrêtez! Voilà! Bye bye, les petits diables. Ok, mais on a déjà été, hein, je crois, ici. Ça me dit quelque chose. Hein. Donc, on a déjà été dans cette grotte. Ok, on est déjà venu ici, en fait. C'est juste qu'on n'avait pas découvert l'île officiellement, mais on l'avait déjà faite de A à Z, hein, je pense, donc c'est bon. Alors lui, en fait, il va nous parler de quoi? Tiens, je vais lui parler vite fait, parce que ça, c'est intéressant pour après. Bonjour, ami à l'épée, comment vas-tu? Je suis venu ici pour planter sur cette île une graine du vénérable arbre Mojo. Mais regarde. À chaque fois, c'est la même chose. Au lieu de pousser, de grandir la forêt, mon arbre meurt. Et je pense que ça doit être la même chose pour les autres Korogus qui essayent d'agrandir la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ces arbres de la forêt ne résistent que si toutes les graines de l'année poussent à la même vitesse. Comment faire? Si nous n'arrivons pas à faire pousser ces graines, le vénérable arbre Mojo finira lui aussi par mourir. Ouais. Il me faudrait de l'eau de l'île aux forêts. Cette eau me permettrait sûrement de faire pousser les arbres de la forêt. C'est elle qui donne sa vitalité à l'arbre Mojo. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau aux l'île de l'île aux forêts? S'il te plaît. Donc voilà, ça va être une quête à faire. Ça va être la quête la plus chiante du jeu. Je voulais pas la faire maintenant. Et on la fera pas maintenant. Ne vous inquiétez pas. C'est pas encore au programme en tout cas. Mais à un moment donné, il va falloir s'y hâter. Hein. On va pas se mentir que là, on avance. Tout est calme, tout est bien, qui finit bien. À un moment donné, il va falloir s'y atteler à cette quête. Hein. Bon, mais dis donc. Ok. Alors, là, objectif, la carte. Qu'est-ce qu'on a comme zone? On va aller à 2 au sud. Voilà. Et on va commencer à faire cette zone-là. Et après, j'allais faire une quête secondaire. Hop, donc 2 au sud. Donc là, c'était le vent au nord. Donc là, on va aller faire 2 vents au sud. Let's go. Qu'est-ce que... Non, le sud, c'est là-bas. Bien sûr. Attendez. Je vais vers où là? Non, un petit peu. Oula, on est chaud. Ok, le sud, c'est par là. C'est pas vraiment par là, c'est plus vers là-bas. Voilà. Donc là, on se rend en direction du vent. Bonne nouvelle. Donc ça, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait. Oh! Oh mince! Quand tu fonces dans un tonneau, posé debout, ton personnage se prend le tonneau. Et tombe de son bateau. Ok, d'accord. Ça, j'avais pas d'infos. Et pourtant, Wind Waker, je le connais bien. Après, le HD, je l'ai jamais fini. J'ai fait que la version GameCube, hein, moi, à l'époque. Hein. Oh! Il pleut? Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, les amis. Il y a Kraken. S'il pleut, c'est qu'il y a un Kraken. Ok, il faut qu'on trouve le Kraken. Le Kraken, il va nous donner un quart de cœur. Ah, ça y est, je fais juste un petit détour Kraken, là. Ah, il est où le Kraken? Quand il pleut comme ça, normalement il y a un Kraken dans les parages, mais. Faut le trouver. Hein. Ah, on s'éloigne du Kraken, je crois. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, on sait qu'il y a un Kraken encore vivant. Ok. Les Kraken ils donnent des quarts de cœur souvent. Et des fois, ils donnent des Triforce aussi, hein, ça leur arrive. Hop. Regardez, hop. On va s'arrêter vite fait là. On va récupérer. Un petit trésor pour ça, un peu de thune. Hop. Comme ça, lors de prochaines ventes aux enchères, on sera blindax de thune. On va pouvoir en acheter un d'objets sans risque, sans douille. Ok. Et c'est quoi? Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est un petit rubis, ouais, mais ça fait plaisir. C'est pas le meilleur cadeau qu'on m'a offert dans le jeu, mais ça fait plaisir. Donc là, il devrait y avoir une île dans les parages, mais bon, du coup, là, on n'en voit pas pour l'instant. Alors, attendez, juste récupérer mes graines, là, let's go. Hop. Parfait. Là, c'est une bonne nouvelle. Où est la petite île de cette zone? Alors, attendez, oui, ça, on a compris, on a compris. Hop. Hop. Non, ça, on a compris aussi. C'est pas encore là, il faut que je descende encore un petit peu.
C'est Lille qui est là. Alors où est Monsieur Tchèque? Il est là. Non, il est pas là. Faisons observation partout. L'observation doit montrer que Monsieur Tchèque était là-bas. On y va. Hop. On va lui donner des graines. Il va être content. Tchèque. Allez, une nouvelle île dévoilée. C'est la bonne nouvelle. On arrive sur le 100% du dévoilage d'île. Ok, qu'est-ce que c'est que cette île? Île de la Rocaille. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette île? On va le faire un petit tour, tiens. Il y a des années que le phare de mercantile était éteint. Ouais, on s'en fout, on connaît l'histoire, on l'a réussi, on a résolu l'énigme déjà. On l'a déjà résolu, on l'a fait récemment. Je crois qu'on l'a fait l'épisode précédent d'ailleurs, même si je me trompe pas. Ok, ok, ça c'est bon. Allez, on va aller sur l'île de la Rocaille, on va le faire un petit tour. Je vais peut-être aller voir Terry s'il part pas, juste après, histoire d'avancer. Ok, je sais pas s'il y a une quête à faire sur cette île. Ah, il faut juste progresser petit à petit, je me rappelle. Ok, c'était trop tard. Attention. C'était trop tôt. C'était bon. Prochaine. Hop. Allez, faut qu'on se concentre un petit peu. Ok, ça a été résolu. Il y en a un en bas, on l'a vu, un petit rocher en bas là. Je vais essayer de le gérer après. Allez, on attend un petit peu que ça explose. Ah! Trop tard. Allez, on se concentre, on se concentre. On va la viser. Voilà, let's go. Ça, c'est pour remonter, non? On ira après. On ira voir après, vite fait. Il écrit quoi, là? Pour vous diriger vers l'île d'Occidentale des Fées. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un Triforce à récupérer ou quel que soit le truc? Est-ce que c'est intéressant d'y aller? Oh, c'est sombre. Ok, on va essayer d'éclairer tout ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Et de 1. Et de 2. Plein de chauves-souris. Bah, c'est génial. Ok, 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 ok. Ça pour voler mes rubis en fait, non? Comment? Par contre, ils sont combien là, les chauves-souris là? C'est une dinguerie! Ils sont beaucoup! Ok, ok, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, hein, ça rigole pas. Hein. Ok, est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore quelques-unes. Voilà, il y en a plus? Il y en a plus. Eh ben, nous avons fait la grotte aux chauves-souris, tout simplement. Let's go. On est parti. Attendez, hop, ramasser. Non, ouvrir, voilà. Ok, on va ouvrir le coffre. On va voir ce qu'il y avait dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans, vraiment pas. Pour le coup. Pour ma caméra, je vais peut-être la déplacer, elle est un petit peu trop... voilà. Là, c'est bon, la caméra est bien placée. Elle était un petit peu trop vers la droite. On va occuper une carte au trésor, let's go. Donc, on fait la grotte aux cartes. On va sortir d'ici, on va juste regarder ce qu'il y avait derrière le rocher qu'on avait vu tout en bas. Et on part de l'île, et on va aller sur la prochaine île, hein, juste ça, rien de plus. Alors attendez, hop, vous êtes prêts? Et ben il y avait un rubis, de type rubis rouge, let's go. Ok, prochaine île, allez, on est en train de bien avancer, hein, on va pas se mentir. Hop, allez. Un peu plus vers là, c'est ça? Voilà. Mais avant, on va aller voir petite Terrouille, parce que Terrouille nous vend des graines, et il m'en manque un petit peu de graines, parce que j'en ai dépensé bêtement tout à l'heure. Coucou! Ah, en plus, il faut avoir la carte membre... Oh! C'est le Terry qui coûte cher. Ok, ça c'est incroyable. Oui, bonjour monsieur, vous êtes le Terry qui coûte cher, vous. Oh, purée, que des trucs de ouf. On va commencer par le flacon. Thank you. Quart de cœur, combien? On verra plus tard. La carte? Ok. Ok, il manque deux trucs à acheter chez lui. En plus, c'est le terri qui coûte cher. Ok, il est sur cette île. En fait, le terri qui coûte cher... Donc on... Ah oui! Il n'y a pas le logo de terri dessus, puisque c'est le terri qui coûte cher.
Donc Kairi, en fait, pour ceux qui savent pas, il y a un Terry qui coûte cher, donc c'est lui. Il nous vend des objets de type légendaire, quoi. Genre un quart de cœur, un flacon. Grâce à lui, j'ai tous les flacons, d'ailleurs. Donc ça va être bien pour aller chercher de l'eau dans l'île des forêts, pour aller aider tous les Kurogu qui sont en détresse. Mais ça, on le fera une autre fois, je me ferai une petite carte et je mettrai une croix sur là où il y a les Kurogu, comme ça on gagnera du temps. Et au mieux d'en perdre, on en gagnera plus vite que prévu. Donc ici, il y a un Terry, apparemment. Apparemment, il y a un Terry. Il y a un Terry, il y a un... Ah, il est là-bas, il y a le check. On va aller lui donner une graine, il va être content. On va aller faire l'île des fées qui est juste là. Alors, eux, je sais pas ce qu'ils vont nous raconter. Eux, je crois qu'ils vont parler du Kraken, hein, je crois. Celui qui est pas loin d'ici. Ok, on va faire une nouvelle zone de dévoilée. Donc, il nous en restera plus que... 19... Il ne restera plus que 7. Allez. Il ne reste plus que 7 à découvrir. Après, il va falloir qu'on y retourne pour faire les quêtes secondaires et tout. Attention. Île occidentale des fées. Let's go. Ça fait plaisir. Sur l'île du dragon, elle est d'ici, pareil que l'on utilise un grand grappin griffe, ouais. Ok, non, ça c'est bon, j'ai bien l'info. Quand tu jettes ton grappin griffe, par exemple, sur les gros moukoublis, vous savez, ceux qui ont des colis macabres là, eh ben vous pouvez récupérer leur colis macabre sans les tuer. Voilà, et en ayant une chance d'en avoir un, alors que si vous le tuez manuellement, vous n'êtes pas sûr d'en avoir un en vrai. Et ça c'est cool. Ah, il faut le marteau, je l'ai. Il faut le marteau ici, je l'ai. Ok, let's go. On va aller faire un tour sur l'île des fées pour récupérer une amélioration. Qu'est-ce que c'est comme amélioration ici? Tiens, tiens, tiens. Bonjour, madame la grande fée. Là, c'est toujours la surprise de ce que tu vas avoir. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme récompense, madame la grande fée? Oh, le carquois amélioré! Donc, 99 flèches désormais. Let's go! Ça fait plaisir, ça. Ça fait grave plaisir. Est-ce qu'on récupérerait pas une fée avec le nouveau flacon qu'on a récupéré, d'ailleurs, tiens. Oh, si, 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 si. Hop. Allez, c'est un flacon de gagné. Un flacon d'offert, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Hop. On sort d'ici. Direction. Bah direction. Direction, direction, mon fond vert qui commence à rebugger. Ça commence très très bien. Alors pourtant ça bug, mais c'est pas normal que ça bug. Je vais vous dire pourquoi. Ouais, c'est bizarre quand même que ça bug. Non, ça aurait pas bugué. Parce que là, il y a la lumière de chez moi. Parce que oui, il fait jour encore dehors, mais j'ai mis la lumière parce que pour le fond vert, je voulais pas en vrai avoir un fond vert bugué et tout. Donc j'ai décidé de fermer mes volets plutôt que prévu. Et comme je vais finir le live vers 20h passé, je vais pas fermer le volet à 20h. Faut pas abuser non plus. On va aller au sud. Directement au sud. Sans perdre de temps. Hop, c'est par ici. Ça fait plaisir. On y va. Prochaine zone à faire, hein, évidemment. Ok. Et bon, on avance plutôt vite. Hein. Et après, on va aller sur l'île de l'Aurore. On va faire un petit truc là-bas. Mais avant, je voudrais qu'on finisse ces zones-là et juste après, on va aller sur l'île de l'Aurore. En fait, on va faire les quatre îles là, on va sur l'île de l'Aurore juste après. Voilà, je vous dis maintenant, je spoil la suite. C'est ce qu'on va faire juste après. Tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Là, les trésors, on peut y aller, hein. Là, on peut y aller, surtout qu'on n'a pas beaucoup de rubis, on en a perdu pas mal en achetant le flacon. Donc là, il faut que je retrouve 1000 rubis, du coup, pour récupérer le quart de cœur. Et 900 pour la carte et aussi les enchères. Mais je crois que les enchères, on n'a plus grand chose à récupérer. Hein. Je crois qu'on est plutôt bien en termes d'enchères. Hein. Ok, on va juste récupérer le coffre qui est là. Histoire de. Hop. Ça c'est fait. Encore un coffre de récupérer. Oh, par contre, là-bas, je vois le faisceau de lumière là-bas. Il me donne envie d'aller chercher le coffre là-bas. On va aller voir ce qu'il y a. Encore des rubis, forcément. Je crois que Link voulait se prendre un petit peu de bain. Oh, il y a de l'orage. Le Kraken est dans les parages. Ok. On a récupéré le trésor qui est ici.
Alors qu'il y a des canons qui me tirent carrément dessus, mais nous on s'en fout. Hein. On est là, on explore, on s'en fout. On va aller sur l'île de la face. Un quart de cœur, let's go, ça a fait plaisir. Attendez, par contre. Il est où Monsieur Check là-bas? Attendez, les canons, vous me tirez dessus après, là, il y a Monsieur Check qui veut me parler. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Monsieur Check? Ok. Ensuite, on va aller faire l'île de la face d'avoir un Kraken dans les parages, à mon avis. Vu le temps qu'il fait. Bon, quand il y a ce temps-là, c'est le Kraken qui est dans les parages. Je crois que je vais faire le tour du carré pour voir où est le Kraken. Sur une petite île à l'est d'ici, j'ai rencontré un type bizarre qui se transportait un énorme sac à dos. Ah, vrai, il faut que j'aille le rencontrer lui aussi. Il y a encore des trucs à faire, hein. On n'a pas encore fini le jeu. Hein. Ok. Je vais aller sur l'île de la face, carrément. On y va. Allez, let's go. Ok, il y a des pirates carrément sur l'île. Oh, attendez, il y a des canons sur l'île. Oh, trop bien. Attendez, je vais les détruire les canons. On a dit, si on détruit tous les canons, il se passe quelque chose. Alors, attendez, je crois que j'allais tuer les pirates. Hein. Oh, mais merci, monsieur les pirates, de m'indiquer cette belle astuce. Ok, on s'en fout de ce qu'il va nous laisser. On va aller s'occuper directement... Attends, il s'occupe de lui parce qu'il va être chiant. Voilà. Hop. J'en ai vu qu'il y en avait un là. Hop. C'est tout? Alors souvent quand on s'occupe de des trucs comme ça, il se passe quelque chose. Hein. Ok, il y en a un là. On va s'en débarrasser d'ores et déjà. Il y en a deux. Il y en a peut-être trois du coup. Et de un. Attends, je vais me bouger un petit peu d'ici. Voilà, là c'est bien, là je suis bien placé. Et voilà, c'est fini. Et on a eu un coffre, let's go, on va le récupérer, hein. Forcément on est à côté, on va pas se priver de ce coffre évidemment. On range, ah mince, Link est tombé. On remonte mon pote. Hop, on va pas se priver. D'ailleurs je sais pas si c'est le choix de qualité. J'ai pas posé la question j'avoue. Je vais regarder après. Bah logiquement oui, hein, vous devez l'avoir, hein. Après si vous l'avez pas, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça, à chaque fois que je reviens en live, je me dis, masque, choix de qualité, et ben il est pas là, ok, donc là il faut que j'aille récupérer le coffre, mais comment on va y aller, faut que j'aille sur la surface la plus haute du lieu, on a 509 rubis, c'est plutôt bien, il nous en faut au moins 950 pour récupérer le quart de cœur, 900 pour la carte, et quelques-uns pour les enchères, et aussi pour marchander avec le marchand en sac à dos d'ailleurs. C'est pour ça qu'il me faut encore des rubis, on n'en a pas encore assez. Il va falloir qu'on fouille bien les surfaces qui brillent, pour récupérer des rubis violets, des rubis dorés, des rubis argentés même. Se récupérer le plus de rubis possible, évidemment. Alors là je crois qu'il va falloir la fleur. Hein. Il va falloir la fleur là directement. On va s'en équiper d'ores et déjà. Tac. Hein, on connaît l'astuce, la fleur qui va nous être demandée pour faire de là à là. Hop, hop, hop. Alors, attends, il faut que je souffle le vent en direction de là où je regarde. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je crois que c'est là, ouais. Très bien, ça c'est bon. Parfait. Let's go. Ça c'est bon. Mission accomplie. Oh, ok, on va faire la prochaine île. Vous avez vu, hein, je vais très vite. Hein. Vraiment, j'avance très vite. Encore une carte au trésor, une récompense qui fait plaisir, ça régale tout le monde. Ok, on y va. On va garder de la magie parce que la dernière fois, j'avais plus de magie, j'en avais besoin et j'ai fait le con. Et j'ai utilisé ma magie un peu trop bêtement. Là, on va faire attention à la magie et pas la gaspiller gratuitement. Ok. Allez, vite. C'est bon. Ok, on y va. Prochaine île, c'est au sud. Donc, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Je crois que oui. C'est bon. On y va. Prochaine île au sud. Là-bas. Avec une grande tour là-bas. Je sais pas ce que c'est.
La Prinil. On sait pas ce que c'est, mais on va la découvrir ensemble. Ok, il n'y avait pas de Kraken du coup là où j'ai été? C'est surprenant quand même, je pensais qu'il y avait des Kraken. Ah, vous avez vu, il y a un truc qui brillait. On va s'arrêter pour récupérer le coffre, on avait dit. Hein. Les coffres, maintenant on les récupère. Hein. Ok, c'est bon. Regardez comment je freine bien avec mon bateau et tout. Hop, je peux même me garer en épi, en bataille, en créneau, en tout ce que vous voulez comme, comme type de gare. Ok. Ah, il y a un Kraken ici aussi ou c'est comment le temps à chaque fois là? Et que pleuvoir là. Le problème qu'il pleut, moi je vois pas où est Monsieur Check après. Hein. Ça m'embête un peu qu'il pleut. Hein. Y a pas de bruit ici. Ah, il est là-bas, Monsieur Check, je l'ai vu. Il est juste là. Ok, hop. Je m'en équipe d'ores et déjà de la graine. Hop. C'est celle-ci que je vais prendre, ouais. Hop. On va entamer ce qui a déjà été utilisé pour pas gaspiller, évidemment, avant la date de péremption des graines. Parfait. Check. Ok. Oui, dévoile-moi la carte. Par pitié. Moi, on aura toute la carte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Serrure de pierre. Bon, on va y aller d'ores et déjà, d'ailleurs, sur l'île de la serrure de pierre. J'ai tous les objets du donjon, sauf un, je crois. Tu as sans doute déjà rencontré des bateaux qui t'ont tiré dessus avec leur canon. Le seul petit problème, c'est que pour le couler, il faudrait que tu aies un canon, toi aussi. Merci pour l'indication. C'est gentil. On t'oubliera pas. Mon ref. Ok. On va aller voir ce qui se passe sur cette île. J'entends des bruits bizarres et tout. Alors attendez, hop. Est-ce que j'ai un arc avec des flèches? Oui, on va le sortir. On va le sortir à la place de la feuille. Ouais, à la place de ça. Attends toi. Je suis occupé là. Ok, il y a une grotte ici, on y va. Oh, bah voilà, ça va être intéressant. On va récupérer un morceau de Triforce. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il écrit? Oh, être comblé du don, de vie. Allume six flambeaux pour rendre son âme à ce navire. Ok, ouais, ok, j'ai compris. Un. Et de deux. Et de trois. Je pense très bien, j'en ai trois. Mais il me manque trois autres. Il me manque trois autres. Il y en a en face. Et de 4. Et de 5. Et il faut que je trouve le sixième, il est où? Tac, 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 je regarde un petit peu. Mais il doit être là-haut. Ok, il est là-haut. J'ai encore de la magie. Parfait. Mince, j'ai mal tiré. Concentre-toi. Attendez, on va bien tirer, là c'est bon, là c'est bien tiré. Ok, let's go. Eh ben non, c'est pas un morceau de Triforce, c'est juste une carte. Ok, c'est une quête secondaire, bon bah en tout cas ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Y'a pas un petit cœur là caché? Non, y'en a pas. Et j'ai récupéré quoi en faisant ça? Un rubis orange sans rubis. Bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les amis. Parce que j'avais besoin de rubis pour acheter mon quart de cœur. Et ça, c'est ce que je voulais, du rubis pour du quart de cœur. Ok. Ça fait un bruit de ouf là-haut, là, le monstre là. Il est où? Il est là, hein, je l'ai vu, il était caché derrière le rocher là. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Lui, il perd rien pour attendre, je vous le dis. Voilà, montre-toi pas devant moi, tu vas vite mourir, mec. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Là, il faut que je trouve comment éteindre la flamme qui est là-bas. Ça, c'est une autre question. C'est pas juste que je viens tous les ennemis sur l'île, en fait. Je suis en train de me demander, là. Voilà. On va s'occuper juste du mec qui vole là-haut, là, et c'est bon. Ou alors, peut-être qu'il y a un bouton là-haut à activer avec, vous savez, le... Ah! Le truc, là, le fruit, là. Le fruit miam miam, je crois que ça s'appelle. Attendez, hop. Ah, j'ai failli l'avoir, lui, hein.
Ouais, je pense qu'il faut un fruit de miam miam. Je crois qu'il m'en reste un de fruit de miam miam. Attendez, hop. Est-ce que j'en ai encore? J'en ai encore trois, c'est bon. Allez, c'est parti. Dim-dim-dim. Je vais voler plus loin. J'espère qu'il va pas se chier en fait, eux. Ils vont me faire chier. Je le sens trop arriver comme. Non, 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 il va me toucher. Vite, 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 vite. Monte, 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 monte. Ok. C'est bien ça qu'il fallait faire. On a une bonne information du coup. Allez! Non! Mais c'est trop dur! Ils sont 4! Bah, ils sont 4 aussi! Bah ouais, mais non, mais c'est abusé! Ah ouais, ça va être chaud! Ils sont 4! Ok, je crois que je dois voler au loin, loin d'eux. Et après seulement, je vais les rencontrer. Ok, d'accord. On va faire ça, on va juste voler très très haut. Voilà, pas trop loin non plus. Pas... Ah ouais, ils sont là. Ok, ils sont là. Mais vole! Mais ils volent même plus! Vol, vol, vol. Vol, vol, vol. Vol. Je recommence pas à aller voir Terry pour aller faire une mission. Vol. Okay, merci. Ok. Je m'envole. Et là, je leur fais une feinte à tous. Non! Non, ils volent trop vite! Oui. Yes! C'est bon. On va aller. Retour. C'est bon. Vite, t'es où? Ok, vite, vite. Tentez de me mettre directement là-bas au lieu de perdre du temps bêtement comme ça, là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Vite, 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 avant que ça se décroche, le truc. Ok, il y a un Korogu ici avec sa graine, là, à faire pousser. Ok, qu'est-ce que c'est? Carte de cœur, carte? Carte de cœur, parfait. Ok, donc là, il y a un Korogu ici. Ok, un Korogu ici. Ok, on sort de cette île, on va partir d'ici, de toute façon, il n'y a plus rien à y faire. Pour le moment. Allez, on fait encore les deux petites îles, après je fais l'ellipse YouTube, hein, pour ceux qui savent, parce que je fais souvent cette vidéo en deux parties relatives YouTube. Et après, on passe sur la seconde partie. Encore au sud, on va faire les deux dernières îles, et après on va faire l'ellipse YouTube, et après on passe sur la partie l'île de l'aurore, où il va se passer quelque chose pendant un petit moment. Ça va prendre du temps, je vous le dis direct, tout ce qu'on va faire. Ça va prendre énormément de temps. Mais je me sens prêt pour le faire, donc on va le faire. Ok, une île avec des tornades. Est-ce qu'il y a un monsieur Check dans les parages? Par pitié. Dis-moi qu'il est pas loin. Je l'ai pas vu. Ok, il est derrière. Ok, alors par contre, là, je me dirige droit devant. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher le trésor qui est là. Quel est là, le trésor? On y est. En plein dessus. Let's go. Donc là, on va récupérer le trésor. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme trésor? Tiens, 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 la bonne question. Et voilà, nous avons maintenant un cœur en complet. Ça fait plaisir. Attendez, comment je vais là-haut déjà? Attendez, hop. Je crois que c'est mon grappin et que depuis mon bateau, j'utilise mon grappin. Mais non. Attendez, comment je vais là-haut? Non, attendez, il y a un problème, c'est moi qui m'en rappelle plus. Depuis. Là, je dois utiliser mon grappin normalement. Mais comment on faisait déjà pour aller sur le grappin? C'est la voie de naviguer, non? Et quand j'utilise mon grappin avec X, le grappin là qui sort. Attendez. Ah non, c'est un objet que je n'ai pas encore, je crois. Je crois savoir ce qu'il faut. Je crois que je l'ai pas encore. Je crois que je ne l'ai pas encore. C'est une des rares zones que je peux pas faire encore. Ah, il est là. Il est juste là. Hop. Regardez comment je vais faire. Hop. Hop, on prend les trois graines. Et on en dépose une. Cache. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Check. Les moucherons, la carte, déplier, tout ça, vous connaissez le truc évidemment. L'île du losange, bien sûr qu'on peut pas faire d'ores et déjà parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il va nous dire, tiens? Car ce trésor que tu trouveras dans l'île d'à côté, tu pourras faire en sorte qu'il ne disparaisse plus quand tu t'approches de lui.
Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. On va y aller maintenant. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire, mec. Je vois de quoi tu parles. On y va. Il parle d'un truc qu'on va récupérer là-bas. Que je n'ai pas encore récupéré, à mon avis. Mais je vois de quoi il parle, hein, t'inquiète pas, j'ai pas fait le semblant. Il parle, je pense, du vaisseau fantôme. Et pour qu'il apparaisse, il faut qu'on ait un truc particulier. Et elle est sur cette île où on va actuellement. Où il y a masse truc là-bas, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Je m'arrête ici, là, il y a un truc à récupérer. Hop! Trésor! Parfait. Il est déjà 18h06, ça passe tellement vite, en tout cas. Je vois pas le temps passer quand je suis sur Zelda Wind Waker. Ça passe trop vite. Un truc de fou. On a 700 rubis. En train de récupérer tous les rubis qu'on avait perdu face au Terry qui coûte cher là. Attends, je vais aller sur cette île là juste avant, je vais faire ça. Ok. On a fait toutes les îles presque en découverte. Il ne nous reste plus que quelques-unes à droite. Sinon, on a découvert toutes les îles du jeu. Officiellement. Et on les a presque toutes faites d'ailleurs. Il nous en reste quelques-unes évidemment les plus importantes et 2-3 petites quêtes sur les îles à faire aussi. En termes de secondaire, on a fait 60% je pense à peu près, mais on n'a pas fait le plus facile. On n'a pas fait le plus dur, on a fait le plus facile. Le plus dur reste à venir. Il y a un vieux sur l'île qui se trouve à l'est d'ici, une fine lame. Oui. Lui aussi il faut qu'on fasse aussi, j'ai oublié. Lui aussi il faut qu'on fasse un truc avec lui là. Et ça va être chiant ça. Ouais, vas-y, mets-moi des dégâts, c'est gratuit, je t'offre. Cadeau. Ah oui, cette île me dit quelque chose. Avec, il faut la feuille magique ici pour avancer. Il faut mettre des buts, comme on l'appelle avec la feuille magique. Alors, attendez, hop. Feuille magique, X. Attention, regardez. Tac, but! Allez, premier but. On continue, progression. Attention, on passe au second but. C'est un peu un golf. Ouais, c'est un peu un golf, ouais. Ce passage-là est marrant parce qu'il me pensait un peu au golf. Et deuxième but, c'est fait, let's go! On continue notre progression. Troisième but au golf. Ah, celui-là, il faut vraiment directement tirer avec la feuille. C'est peut-être pas un peu trop sur le côté. Donc on va peut-être un peu se décaler comme ça, voilà. Ah, peut-être encore un peu trop. On va peut-être encore un peu se décaler. Ah, c'était dû au vent. Ok, c'est dû au vent. On va bouger le vent. Moi, je regarde là-bas. Donc moi, le vent. Ah non, c'est l'opposé! Je dois refaire le truc du coup, je dois le faire à l'opposé de ce truc là. Ok. Ça c'est pas mal. Voilà, par là. Allez, on va faire un coup de feuille. Ok, c'est pas simple, hein. Ah, le vent il est... Non, non, non. C'est un petit peu trop sur le côté là. Là peut-être c'est bon là. Allez, allez. Allez, allez! C'est bon, let's go! Et le troisième but, évidemment, de marquer. Et nous allons récupérer une carte au trésor, je pense. Et la fameuse carte pour les bateaux pirates. Mais je ne suis pas encore sûr. Donc on ira voir ça juste après. De toute façon, je peux y aller. Si, je sais pas. Parlez! Oh! Comme c'est joli! Je suis vraiment content d'avoir acheté ce kaléidoscope. Ah, attendez. On va faire la grotte et après on va récupérer le coffre. Une chose à la fois. Une chose à la fois, les amis. Précipitons-nous pas trop. Oh yes! Du combat de mini-boss. Et de boss. Voilà. Ça s'en va. Ok, encore une carte, hein, je pense, à récupérer. Eh ben franchement aujourd'hui on enchaîne les récompenses, on débloque beaucoup de trucs secondaires. C'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Prochain épisode par contre je vous le dis c'est que du principal. On va faire le nouveau donjon là, le donjon qui nous reste à faire.
On va faire ça pendant l'épisode, et si on l'a fini un peu plus tôt, on fera quelques quêtes secondaires, évidemment, ne vous inquiétez pas. Voilà, prochain épisode, c'est les quêtes principales. De toute façon, si on a fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, on va se rendre déjà dans la quête principale. On va faire les premiers pas. Et puis voilà, on a bientôt fini. Hein. La quête principale, il y a bientôt plus grand chose à faire. Évidemment. Coup de vent. Hop. Là, ce serait plutôt vers l'est. La feuille, je l'ai. Oui, c'est... On touche là, ouais. Ok, on ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, d'après vous? Par contre, sur cette île, il y a quelque chose d'important. Une carte au trésor. Let's go. Bon, je pense que c'est une carte pirate, mais il faut la récupérer avant. Ou alors, c'est un truc par rapport au pirate. Bon! Bon. Pour ceux qui regardent l'ordi sur YouTube, on va passer à la seconde partie dans un instant. A de suite, au moins je prends des dégâts évidemment. A de suite. Donc là c'est pour YouTube, je fais une coupure en vrai et puis voilà, je reprends là juste après pour la seconde partie. Hop. Et donc du coup on est sur la seconde partie et cette fois on part.